On a déjà bien vu qu'il n'était pas. Les trajets, les routes commerciales plus. Il va pas s'en sortir si on lui laisse cet œil. Bon, bah, enlevons-lui alors. Bon. Bon, William, vous allez vous réveiller, vous serez plus trop pareil qu'avant, mais vous serez vivant. Quel connard. Gary, si ça t'arrive, pendant que tu fais ça, je baisse ton futal pendant que t'es dans le coma. Si tu m'entends, Gary, ça va pas du tout. Tu vas avoir des problèmes, toi. Aïe, pour tes fesses, ouais. Allez, puis je suis sûr, là, derrière, j'entends, ils ont plein de bonnes nouvelles. Je suis sûr qu'à votre réveil, vous aurez une bonne nouvelle aussi, là. Allez. Alors, si tu veux que ça aille plus vite, tu peux... Il va falloir revenir, hein. Aïe. Je sais. Ça va aller, William. Ça va aller. À l'heure actuelle, jouons franc jeu. Il y a une évidente guerre de propagande avec le groupe d'Isaac. Il va te faire un gosse. Premier moment enceinte après Arnaud Schwarzenegger. Faites ce que vous avez à faire, enfin ce que t'as à faire, je le tiens. Nous sommes sans doute encore toujours par nécessité. Nous avons des méthodes qui peuvent être reprochées. C'est vrai. Mine de rien, elle fonctionne. Le Kentucky est en passe de devenir un de nos territoires les plus sûrs. Il nous manque juste un élément. Et ah non, c'était complètement aléatoire, 47. Après ça, les familles pourront se rejoindre et la frontière. Il y a quasi rien qui était prévu, moi. Il y a quasi rien. Gary, je l'ai rencontré par hasard. Izzet Lane, je l'ai rencontré par hasard. Tout est fait par hasard. Tiens le fort, tout de même. Je le tiens, mais il bouge, hein. Groupe, si on peut appeler ça, même si c'est pas vraiment un groupe. Ouais, Gary, ça a vraiment été le premier mec que j'ai croisé. Ça va? Viens m'aider à le tenir, là. Il tremble trop. Viens m'aider, s'il te plaît. Attends, tiens-lui le haut du corps, moi je lui tiens les pieds. Je le tiens le haut, vas-y, tiens-lui les pieds, voilà, ça, là, comme ça. Ok, messieurs, c'est le moment. D'accord, allez. William, va falloir être fort. Plus rien ne l'est plus, d'ailleurs, dans ce monde. Mais en attendant, nous nous sommes appuyés sur cette base. Viking les a brisés, les a trahis, et c'est pourquoi nous sommes à sa recherche. Allez, je le tiens, vas-y, pote. Là. Ce genre de trahison ne sera pas permis. Elle met à mal nos valeurs. Dommage qu'on a un pincé. Aujourd'hui. Allez, je le tiens. Ouais. Il bouge. Hein. Le groupe du. Mais cache ta force, non, là. Il faudrait peut-être quelqu'un d'autre là pour les. Pour le tenir là, il faut quelqu'un d'autre. C'est inquiétant puisqu'il est extrêmement bien armé. Allez, William, tu vas pas nous claquer dans les doigts, bon Dieu, allez. Votre prendre, je vais me mettre à jurer sinon. Allez. C'est qu'un œil. Tu peux le faire. Allez, t'en as un autre, hein, et puis le bon Dieu t'en voudra pas, okay. Bon Dieu. Je vois à peu près. Alors, vous conseille de pas regarder. Est-ce qu'on prendrait pas quelqu'un d'autre pour le tenir encore là, parce qu'il tremble beaucoup, hein. Allez, pourquoi pas. Je vais essayer d'aller chercher. Vas-y. Vas-y, je le tiens, va chercher quelqu'un, ouais. Bien sûr, mais la dernière fois, quand on est passé au bar et que vous nous avez... Allez, William, il faut tenir, hein. Imaginez, hein. Bien fait comprendre. Vous revenez épais. Si c'était vous, le rêve de l'église, il est bien là, hein. Il est bien là, hein. Lié à vos règles, et que les personnes qui se plieraient pas à vos règles se laisseront mourir à petit feu. Oh, il est tout pas bien, là. Nous espérons intégrer les communautés dans notre société, si on peut dire. Pas en tant qu'évidemment Angels of Death, mais simplement... Ça se calme. Parler au pasteur à ce propos. Allez, faut qu'il respire, là. D'ores et déjà des accords commerciaux. Des trucs officiels qui vont nous permettre. Allez, William. D'avancer sur le faut vous calmer, là. Là, le plan Albert Schmitt. Très bien. Si. Dans la gueule. Aidez-moi à tenir. Ouais. On tient chacun à côté. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'occupe de la jambe gauche. Je m'occupe de la jambe droite. Allez, je lui tiens les épaules, là. À terme de toute l'Amérique. Allez, Doc, on est prêt. Les gars, cet événement n'était pas scripté. Oui. Mais
Il n'y a que moi. Voilà, c'est bon, regardez pas, regardez et pas. Et le médecin savait un tout petit peu, à tout petit peu près, une petite phrase. Ok. C'est tout. Effectivement, là, c'est de l'impro pur. Mais c'est bien tout ce qu'il y avait. À l'intérieur, c'est bon. Je vais. Allez. Pensez à des choses positives. On va finir d'enlever le pull là, sur le côté. Et puis on va. Je sais pas. Faut que je relise ce bouquin. Quoi. Tu dois désinfecter et au moins cautériser la plaie, non ? Alors attends. Je sais pas ce que je dois faire avec cet œil vide là, y'a plus rien. De toute manière, entre vous et moi. Allez, William, ça va aller. Hey, est-ce qu'il va reprendre connaissance ou pas là ? Qu'est-ce qui s'est passé en... Ah, y'a pas... Il soit blessé. Si, c'est bon. Il avait une blessure à l'œil, si je me souviens bien, qu'on a eu dans le... Je vous donne ici la scène de... Le lien du Twitch du médecin. Si ça vous intéresse d'aller lâcher un petit follow là-bas, les gars. C'est très gentil, merci. Vous avez des désinfectants ? Ouais, t'en fais pas, y'en a tout ce qu'il faut. Mais toi, tranquillement. Poussez-vous, c'est le démon. C'est le démon. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Je sais, je crois en toi. T'en as plein. Vous entendez des SO, les gars, excusez-moi, c'est normal. Moi, je crois en toi. Probablement l'une des personnes les plus courageuses qui reste. Et Max Nueba qui joue Gary, ici présent. Les amis, pareil. Ok, donc selon le bouquin, il faudrait que. Que je désinfecte un petit coup là, à l'intérieur et que je fasse des petits points de suture pour éviter que n'hésitez pas à aller regarder leur chaîne, à aller lâcher un petit follow. Ça joue bien et vous passerez un super bon moment, les amis. D'approbation. Oui. Mais je pense que c'est ça. Hein. Je crois que mon casque a rétréci. C'est un peu comme bon, après là, il y a l'organe, mais quand tu prends un coup de couteau ou une balle, tu fais une suture, quoi. Ah, Zagari, ne rajoute pas, j'ai pas besoin de. Nous avons une sorte. J'espère que ça arrive à sa fin et que ça va aller bien pour lui. Ok, j'ai bientôt fait un peu. Oh, effectivement. Ah, il redevient un peu plus. Il est moins rouge, hein. Je me vois tellement, les gars, me relever du lit et faire alors, ça s'est bien passé. Ah, j'ai tiens, il me manque un oeil. Ça va, les gars ? Le mec est. Zéro roleplay, c'est. Il se relève. Bon, allez, moi je prends la bagnole, je retourne à l'église. Essayer de faire passer dans son sang pareil. Parce que c'est là-bas qu'est mon lit, je dors là-bas, je dors pas ici, c'est méchant. Ok. Vous avez déjà eu à traiter des cas comme ça ? Ah bah on est mardi, hein. Tous les mardis. La réponse rassurante ou la réponse pas rassurante ? Je veux la réponse. Doliprane. Non. Ok. Et Gary sans rien demander, il met des antibiotiques dans la perfusion. Attendez, je mets du Xanax. C'est la deuxième fois qu'on dit ça aujourd'hui. Hop, de la morphine, un antibio, du plâtre. Allez, c'est mis. De la farine parce qu'il adore les pizzas. Ok, donc ce qu'il va me falloir, c'est beaucoup de bandages j'en ai. Je vais redésinfecter encore la zone. Il n'y a plus de pull, hein. On est d'accord, vous en voyez plus là. J'ai pas l'impression. Là. Vous êtes médecin ? Oui, mais non, en fait, je suis pas médecin, mais je cherche beaucoup d'approbation. Et puis, c'est pas le débat, il y a beaucoup trop de monde dans cette pièce. Comment il va ? Ouais. On ne peut pas jouer au bisounours. Ah, il bougeait beaucoup, donc on a dû ramener du monde pour le tenir. Ah ouais, effectivement, je vois le matos qui a été ramené en plus. Un hématome au coude, mais on s'en fout, ça n'a aucun rapport. Xanax en augmentant une claque au cul, ça repart. Allez, va prier, écoute. Il va se trimballer avec un bandage sur la tête comme un pirate. Oh, merci messieurs, merci beaucoup. Comme un pirate, il a t'as que ça à dire, Jesse. T'as tant de haine que ça, tu me compares avec un pirate. Tu vois, il s'était pris une balle qu'il avait pas mal éraflée, mais en fait ça s'est infecté étant donné qu'on n'avait pas d'antibiotiques à l'époque. Oh putain. À l'époque c'était il y a 3 jours. Mais... Bon, c'est de leur faute. C'est ça qu'on a ramené plein, on est bien maintenant, mais c'est un peu trop tard. Le verdict, s'il vous plaît. Il est mort, ok, rien à foutre. Oui, on est beaucoup tous. Hein. Il a perdu un œil. Je ne fais pas partie de ces gens qui pensent. Ah, il a perdu un œil. Dans ton bar. Dans ton bar, Rachel. Comment dire, il a apparemment pris un éclat de balle, je sais pas trop, dans son œil, quand ils étaient à Louisville, et puis ça s'est infecté, et c'était vraiment pas beau. Mais le plus inquiétant, c'est qu'il a gagné une couille. En tout cas, il a super bien bossé. Et il a dû lui enlever l'œil.
Putain, excusez-moi, je rigole moi-même de mes conneries. Arthur, Albert. Ouais. Yeah. Laissez un petit peu d'espace, s'il vous plaît, Jessie. N'hésitez pas à aller vous présenter au reste des gens. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. Bien. Ça nous a... Créer un bandage pour l'occasion. Allez, bar mitzvah. Un avenir meilleur. Combien de gens vous avez... C'est petit semi-possible. Perdu. Toujours. C'est la force. Tu as besoin de quoi exactement? Certes. Du coup... Les ressources ont été voyées pendant les saisons. Je crois pas. C'est possible parce que le serveur a eu des histoires. Fais-moi rapidement une liste. Mais je crois pas. Tout ce que tu demandes, tu l'auras. Je crois pas 47. Il a perdu beaucoup de sang pendant l'opération. Il va s'en remettre, mais le mieux, ce serait quand même d'avoir une perfusion. Enfin. Du O négatif, c'est ça? Exactement, exactement. Parce qu'on connaît pas. Merde. Il y a pas de. C'est quoi ça, O négatif? C'est le groupe sanguin. Et un groupe sanguin universel qui aurait pu nous aider pour le coup. Je suis navré là-dessus, je ne pourrais pas vous aider. D'accord. Et y a personne là-bas qui est au négatif. Je vais m'enseigner. Et comment on sait ce qu'on est un groupe sanguin là? Non, il y a plein, de métaux qui sont testés, ça prend trop de temps. Excusez-moi de vous déranger, mais c'est plutôt urgent. Est-ce que vous savez si vous êtes au négatif? Par contre, je crois que je vais envoyer un message à un admin pour qu'il me remonte un peu ma faim. Bonsoir. Auriez-vous l'obligeance de simuler les apports en nutriments de la perfusion de Monsieur le Seigneur Jesse? Oui, Jesse. Pas vraiment traîné dans les centres médicaux. Afin que j'évite de sortir un paquet de chips pendant mon coma. Garde médicale des QO négatifs. Ah, t'as fait ce qu'il fallait, merde. Prends tout le temps, je fais de vous foyer. Tiens, regarde. De quoi tu me parles, Gary? J'ai pas compris. J'en viens de vous voyer, je sais pas pourquoi. D'un coup, je te tutoie, je te vous vois. C'est le stress qui fait ça. C'est vrai. Mais t'en fais pas, t'en fais pas. T'sais. Laisse Manon dans oui, bon, d'accord, oui, bon. Le pasteur est. Okay, d'accord, ok, c'est bon, c'est ça. Il sera vivant. Oui. Ouais. J'en trouve pas les mots là. C'est bon. C'est ça. Bon, laisse-moi me. Non, mais là, regarde, et tu vois ce que t'as fait, c'est bien là. Je vais y prévenir Jessie. On reprendra la discussion. Tu vois, c'est propre là. Très intéressant en tout cas. Jessie? Oui. Oui. De boule négative. Il y a un mec qui a besoin de se faire couper une jambe, t'es chaud? Allez, go! Oui, il est parti se préparer, se laver le bras. Pense à te laver le bras! Comment est-ce qu'il va? Il a fait quoi avec son bras? Jay, comment est-ce qu'il va, le père? Laissez-lui un petit peu d'air. Hein. On a dû lui enlever un œil. Jessie, tu vas pouvoir faire une transfusion, t'es sûr? T'en es capable? Jay, il va péter un plomb. J'ai vu qu'il était terre, mais c'est bon. Bien. Prends pas trop de sang. Et on lui a greffé une couille. Quoi? Il faut qu'il lui en reste. Et pourquoi pas moi? Affecté par la maladie, c'est prise. Oui, c'est ça. Du coup, avec Jessie, surtout Jessie, lui a enlevé l'œil. Il a bien bossé. Dans un souci hygiénique, tout ce qui n'est pas médecin et qui n'est pas transfusable, vous sortez. Je comprends, Rachel. Est-ce que une personne quand même peut rester, genre Gary? Genre mon chat? Allez, ton chat, oui. Gary, lave-toi les mains. Je me lave les mains. Excusez-moi pour les blagounettes, les amis, c'est histoire de meubler peut-être aussi un petit peu la scène. Merci. Et je suis désolé si vous trouvez ça nul. Je peux comprendre. J'ai pris une balle dans l'œil. Une balle? Là, je sais pas trop, oui. Et ça s'est infecté. Et une balle de qui? Une balle de quoi? Je sais pas, moi j'étais pas avec lui quand c'est arrivé. Et du coup, j'étais au bunker, mais lui il était à Louisville. Alors je sais pas trop, moi je sais juste qu'il a pris une balle et il s'est... Je vais vous expliquer. Il avait mal à la tête et il est tombé. Bah explique-moi. À l'immeuble, on est tombé sur 4 gars de Vikings. Et Ah. Ils ont tiré comme pas possible. On a eu
trois morts, et effectivement, et je pense que c'est à ce moment-là que le pasteur a pu être blessé. Trois sont morts, et il y en a un qui a sauté du toit. Bon, j'y vais, je suis propre. Eh, hey, boulala. Ok, parfait. Il est conscient ? Non. Je me mets où ? Si t'as moyen de t'asseoir sur le meuble, comme ça tu seras en hauteur. Attends, je vais enlever ce bordel. Ouais. T'as grandi le pénis. J'ai fait la retirer du truc. On remettra après les antibiotiques. Du truc, Maro. Mais dans l'idée, on va te faire passer toi en priorité. J'imagine que ça te fera pas mal. Bon. Alors, évite les égratignures, s'il te plaît. Eh bah, tête, William, vous allez avoir du sang de taureau dans les veines. C'est ce que j'étais en train de me dire. Bah, c'est peut-être ça, peut-être. Beaucoup plus peut-être fort. Qu'on va enchaîner avec une quatrième couille. Du coup, maintenant, RP, William a un œil en moins, mais trois boules MDR, exactement. Salut Kim, comment ça va? On est en RP boule. Un pasteur avec du sang de boule, ça c'est. Ah bah oui, c'est vrai qu'il s'appelle boule en plus, je suis con. Ce sera oh, putain. William, vous entrez dans l'histoire. Bon. J'ai du sang de boule dans les veines. Ça devrait prendre quelques minutes. En réalité, on n'a pas perdu énormément, mais c'est vrai que ça pourrait l'aider. Il cherche une lumière dans le droit chemin. Je me souviens plus que j'avais vraiment pas les piqûres, putain. Ah bah, et un gringalé comme toi. Ah, ça va. Un gringalé. Moi, je suis gringalé. Attends, j'ai pas les mots, là. J'ai dit ça tout à l'heure aussi. Ouais, bon. C'est vrai qu'il exclémue le boulin. Je comprends pas, il est allé à Louisville. Il va bien, le Rouen ? Oui. C'était pour. Espèce de sang de boule. Pourquoi ? Quoi, le truc avec le bunker, c'est dit. Mais il était pas rentré. On m'a expliqué qu'il était sereinement à l'église après ça. Il y avait plein de gens qui le cherchaient, il parlait avec du monde. Eh oui. Oui, donc il s'est passé un truc entre temps. Non, je pense que l'infection a fait son chemin et. Ah putain. Que ouais. Ça lui a monté, puis comme il était vachement. Ah putain, arrivé, l'infection, c'est vrai, j'ai déjà vu ça dans un film. L'infection, quoi. Mais à un moment, il a bien dit qu'il avait mal à la tête. Et puis un peu plus, puis d'un peu plus, puis il est tombé, quoi. La prochaine fois. Quand un gaillard vous dit qu'il a mal à la tête, vous le prenez en charge directement, vous attendez pas. Surtout pas quand on a une hygiène de vie qui est déplorable par rapport à notre monde d'avant. Oui, c'est okay. Vrai, c'est vrai. Il sent beaucoup mieux là, ça se voit. Il a plus de température. Ouais, il a repris des couleurs. Bonne tension. Je pense juste qu'il va devoir se reposer. Bon, je vais pas avoir besoin de toi plus longtemps, c'était parfait. Ouais. Je vais t'enlever ça, là. Tu me diras, moi je produis des litres de sang, des quantités t'as jamais vu. Mais tu t'es pris une balle récemment, donc on va pas non plus. Ah bah dites, mais c'est un lot quotidien. J'ai été pris en charge par de très 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 bons médecins à la tour, donc franchement, tu veux pas en faire venir quelques-uns? Non. Malheureusement, je suis désolé, mais je peux pas. Question de sécurité. Bon voilà, je t'ai enlevé ça. Je vais remettre l'antibiotique. Merci. Et Boule, tu peux avoir contact avec ces médecins-là, savoir au moins si on a fait, ce qu'il fallait, quoi. Ouais, je peux leur demander, en effet. Ah, s'il te plaît, ce serait sympa. Notez-moi juste la procédure que vous avez utilisée sur un papier et je la retransmettrai. S'il y a une connerie, je vous la dirai. Franchement, il est bien le RP sur ma chaîne, non? Revenez, hein. Moi, je me mets dans la merde et les autres, ils RP de ouf pour moi. C'est clair, t'as tout dit, Mako. Merci bien, merci beaucoup. C'est normal. C'est pas la première fois que je fais couler du sang. Bon. Et pour une fois, c'est pour sauver des vies. Et pas en enlever. Crois-moi que c'est pas la première fois. Ceci dit, transmets-tu lui
bon, je sais pas quoi, transmettez-lui le. Voilà. Ça marche. Ah bah marche. Ça a l'air sincère ça. Merci beaucoup, Boule. Ouais bah son inconscient bon, bah, t'entend. Espèce d'enculé. Voilà. Il a de la taurine dans les veines. Ça, c'est fait. Moi aussi, je vais, moi aussi je vais t'enfoncer le je sais pas quoi, moi. Ah bah j'espère, oui. Un litre de sang de boule et hop, c'est reparti. Effectivement, le sang de boule donne des ailes. Ah, ça a toqué, mais... Oui. C'est bon, vous avez fini transfusion, tout ça. Ça fait fini transfusion. Oui, tout à fait. Transfusion. Et je pense que son état est stable, mais il va sûrement pas se réveiller maintenant, donc je pense qu'il faut juste le laisser tranquille et puis surveiller. Et moi, je vous avoue qu'après tout ça, il faut que j'aille me prendre une bonne douche et surtout vomir un bon coup. Fais ça dans la forêt, hein. Ne cache pas les toilettes. Ouais. Exactement, de toute façon elles sont bouchées. Non, bon, je vais rester fait. Avec lui. Ça se présente comment? Bah, il est mort. Transfusion. Il a repris des couleurs. Est-ce que t'as mangé quelque chose? L'œil. Juste avant, là. Juste après, non, surtout. J'étais à jeun. Ouais, quoi, là? Ah. Bon, eh bah, du coup. Assieds-toi, je vais te préparer un truc. Obligé à ça, William, c'est quand même incroyable. Non, j'ai des choses à faire. Même en dormant, c'est pas possible. Tu vas tomber. Ah mais je sais pas, Gary, les gens ils voulaient me parler, Gary, qu'est-ce que tu veux? J'ai pris ce petit bouquin rouge là. Ils voulaient me parler, je pouvais rien faire. J'espère que ça va vous aider à vous réveiller. J'ai même pas eu le temps de dire que j'étais pas bien, quoi. Est-ce qu'il a touché à ma Bible, lui, là? Espèce d'enfoiré, elle est où ma Bible? Gary! Gary, fais pas le con! Gary! Oh. Gary, regarde le matelas! Oh. Gary, il y a des bébêtes! Mais c'est écrit bien petit, hein, quand même, hein. Gary! Gary! Alors. Gary! Le tueur d'ambiance. Le sang de boule donne des ailes, GG Mako. Y'a rien à rajouter. Et là, il manque plus qu'une horde de zombies, tu sais. 300 zombies spawn qui foncent sur le bar. Je connais rien. Alors, bon, ben, je vais commencer par le début. Parce qu'en plus, il parle du début, vous voyez. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. À la surface, l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est Jesse qui a lâché Sylvain, je suis le sens là. Que la lumière soit. Oui. Et la lumière fait. Faudrait peut-être que tu rigoles à mes points de suture, voir si tout va bien. Dieu vit que la lumière était bonne. Okay. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Tout va bien, Albert? Ça va. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi. Gary est toujours à l'intérieur. Retirez-moi Gary. Un matin. Mettez-le loin. Ce fut le premier jour. Il est en train de lui bousiller le crâne. Dieu dit. Putain. Qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Alors c'est pas les eaux OS, hein, c'est les eaux UX. Hein. Bon, enfin bon, je pense que vous savez. Ah, il me finit. À peu près d'or toucher un de sitôt. Et Dieu fit l'étendue. Côté droit du crâne. Et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous. Rachel, sauve-moi. Sauve-moi, Rachel. Alors, pardon. Bute-le. Non. Je faisais un petit peu de lecture. Eh bien, c'est une bonne chose. Je vous laisse poursuivre. Le J est ici. Merci, Rachel. William, il va parler pendant son sommeil. Hein, Rachel? Il va parler pendant son sommeil, William. Il est stabilisé. Et il a repris de la couleur. Il tremble plus.
Et puis on lui a fait, enfin ils ont mis un peu de sang de boule dans ses veines. Ah, tu penses que t'as de la température toi? Et là bah du coup... Et du coup il va devenir biker. Il se réveille pas. Un peu quand même, mais j'avoue que ça me refait mais un peu bon. Moitié pasteur, moitié biker. Il a perdu son œil. La Bible dans la main. M45 dans l'autre main. C'est plus trop... Mais on sait à cause de quoi du coup? C'est l'infection de l'usine. C'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ça fait quand même vachement mal d'un coup. De tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'apparemment il avait pris une balle à Louisville là. Ou un éclat de balle, j'ai pas trop tout compris. Mais que du coup ça s'est infecté. Et puis avec tout ça, c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de s'en occuper, et puis il s'est pas occupé non plus, et... Oh, c'est ma faute. C'est infecté. Connard, c'est ma faute. Putain. Et quand... Alors lui, je peux te dire. Là, au bas, hop, avant que vous arriviez... Je vais faire jouer mes relations, et ça, c'est banni du serveur, ça. Coup dehors, là, il s'est allongé, et il s'est évanoui. Il y a des chances, ouais, 47. Alors, Jesse a essayé d'enlever l'infection. Mais apparemment ça s'empirait et ça allait pas. Mais il a rien fait du tout, il aurait pu éviter de baiser l'œil. Il a chié dans mon œil, Jesse. Il a fait ça bien, regarde. Mais non, il a été dégueulasse. Il a des points de suture. Mes points de suture que dalle, mais t'as raison. Il a désinfecté, il a enlevé l'infection. Mais oui, bien sûr, c'est un élu du Seigneur. Ça fait que des antibiotiques. Bah ouais, hein, ça a pas du tout été fait à l'arrache. Combien de temps il en a? Non, on sait pas. Alors c'est pour ça, j'espère que... Depuis très longtemps, si vous voulez, mon avis. Parfaite, de la Bible va lui permettre de se réveiller au plus vite. Hein. Ah bah ouais, on va peut-être changer de bouquin aussi. Ok. Bon. Malgré ça, on va devoir essayer de faire tourner l'église en attendant. Eh oui, mes fils. C'est Williams The Legacy. Héritage. Je peux pas le laisser là. Je sais bien. Ouais, bon, toi, t'inquiète, je vais t'écouter. Il faut. Bois, après, ça se immunisé. Il faudra qu'on se relaye alors. Ouais. Ouais, je sais que c'est la meilleure des choses à faire. Qu'il y ait toujours quelqu'un qui reste auprès de lui et. Qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse quand même. Aller à l'église pour. Pour faire en sorte de toujours avoir un accueil. Oui. Je pense que c'est pour ça. C'est Sian Bunny était dans la section opération des enjôleurs de pied. Ah ouais. Oh putain. Comment couper un ongle? Il y a du monde ou pas? Je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a très peu de monde au bar, donc je me dis que potentiellement il y a peut-être du monde à l'église, je n'en sais rien. Ok, bon, alors écoute, je vais rester avec lui. Je vais mettre ma radio. Sur la fréquence habituelle. Sur la fréquence habituelle. Hop. Et comme ça, s'il y a quoi que ce soit, on se tient au courant. Hein. Ça marche. Perdu pour perdu, j'aurais donné l'impression de savoir faire ce que ça donnait l'impression de savoir ce que je faisais. On pouvait pas marcher comme ça. C'est pas possible. Et si? On a besoin de vous. Ouais, mais faut que j'aille farmer sur Valheim, gros. Tenez bon et je sais que vous m'entendez dans votre inconscient. Oh oui. On a besoin de vous. C'est tout ce que je... Oh, je suis touché. Ça sent la tirade d'Isette. Ça marche mieux qu'avec Gary, étonnamment. Gary, ça me brise le cœur, mais je vais te laisser. Ouais, mais je comprends. Il faut aussi que... Et puis si on laisse l'église, il nous en voudra, si on laisse l'église, hein. Merci pour le follow, Jack... Jack Q, excuse-moi. Soin de lui, Gary. Jack Q, Jack Q, Jack Kiki. On va reprendre, ouais, apparemment il y a 500 pages à lire, alors bon. Oh, bon courage. Je savais pas que c'était aussi long ce truc. Mais après tu sais lire toutes les lettres? Ouais. Quel connard. Oui, ça devrait le faire. Ouais. Oh le blanc. Ok. Bon courage à toi. Ouais.
Je te tiens au jus. Mouah. Oh là, ils vont pas baiser sur William, hein, merde. Barrez-vous, les gars. Allez, William. Eh ben, c'est samedi soir, ouais, 47. Un petit instant et je reviens tout de suite. L'armoire, elle est blindée de matos, blindée de chargeurs, etc. Il faut que j'aille me chercher un peu d'eau. Est-ce que tu pourrais garder un œil sur William, s'il te plaît? Il n'y a pas de problème. Ah, merci beaucoup. Ah non, transfusion man. C'est Erkout. Comment s'est passée la transfusion? Oula. C'est qui fait fatiguer ici? Oui, tout à fait. Mais je pense que là... Moi, je vais rester un peu avec lui. Je dormirai là, par terre. C'est pas grave. Non, mais prends le lit à côté. C'est vrai, ça vous embête pas? Moi, j'ai le lit tout au-dessus, donc tu sais, ça me dérange pas du tout. D'accord, mais au cas, voilà, bon, mais s'il faut, je bougerai, hein, mais je peux dormir par terre, c'est pas un problème. D'ailleurs, tiens un petit chocolat, comme ça tu tiens la nuit. Oh putain, oh, ils sont sympas. J'ai tout merci le monde à la chapelle que c'est les enculés, mais les mecs, c'est les Allemands qui donnent du chocolat, quoi. Comment tu ne peux pas être sous charme? Allez, William, on va reprendre la lecture, alors. Oh putain. Allez, bisous, salut, bonne soirée, au revoir le stream, bye bye. Putain, plutôt crevé que la lecture. William slash William meurt. Alors, il a créé le... Il a créé le jour, la nuit... Ah oui, les os. Alors les os, mais pas les os, hein. Voilà, bon, vous me suivez, mais enfin bon, je pense que vous l'avez déjà vu. Alors, Dieu fit... l'étendue, voilà, j'en suis là. Il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Oui. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et Dieu un matin. Ce fut le second jour. Ah oui, et la suite? Dieu, oh putain, que les os qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Ah, il me fume. Et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Bah dis donc, il est fort, hein, Dieu. Dieu appela le sec terre et il appelait l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant de fruits, selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Bon, William, je vous avoue, j'ai rien compris, mais bon. Je t'expliquerai, gros. La terre produisit de la verdure. Il y retourne. Ah non, ça, c'est ce que j'avais pas compris. Ah non, mais si, mais c'est la même chose. La terre produisit c'est de la verdure. Gary, c'est le mec qui fait l'amour à sa femme. De la semence selon son espèce. Ça fait déjà 3h30 que ça dure. Et des arbres donnant ça veut pas. Et mais il comprend pas qu'il faut arrêter. La semence selon leur espèce. Donc il continue. Dieu dit que cela était bon. Ah, c'était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Et ce fut le troisième jour. Là, tu es plus reconnaissable. Ouais, c'est un peu mieux. Hein. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, oui. Là, il n'y a pas le oui, hein, c'est un réflexe. Hein. Que ce soit il gère tellement. Les époques,
les jours et les années. Et je lui fais confiance, hein, je lui mets mon stream entre ses mains. Et qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. À tous ceux qui étaient là, Jesse, Izette, Gary, et l'Allemand, je me souviens plus de son nom. Attendez, il faut que je tourne la page. À côté, ils font un teuf. Voilà, voilà. Alors, j'ai retrouvé. Le pire, c'est que son mec est mute sur son stream. Tu vois, déconne ou quoi? Non, comment ça? Comment ça, Yann? C'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis de la merde. Tu dis de la merde. Ah, c'est bon maintenant. C'est vrai? Non, tu déconnes. Tu déconnes. C'est pas possible. Non, tu rigolais, Yann. C'est pas comme les vaches, hein. C'est ce meuve. Ce meuve. Comme le mouvoir. Hein. Et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Oh, j'y comprends plus rien. Il créa ainsi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multiples, et remplissez les eaux et les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Putain. Oh. Hey, t'as un pasteur ou un prêtre qui te fait ce discours-là à une église pendant un truc qui dure 2 heures, mais tu te penses. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 5e jour. Hein. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, et des animaux terrestres. Selon leur espèce, et cela fut ainsi, oui. Correctement, entendu. Je m'en occupe. Pourquoi je mets des fouilles partout? C'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Oui, entendu, entendu. Le bétail selon son espèce. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Alors bon, pas dans le sens où ça se mange, hein, dans le sens où c'est, comment dire, positif, quoi. Hein. Ah oui, bah, regarde, dans les dortoirs. Il suffit d'ouvrir les tiroirs, puis on peut les chasser, tu sais où je pourrais placer le projet. Dieu les bénit. Ah là, il lâche pas. Hein. Disons, soyez fécond. C'est un clébard avec un os, quoi, il lâche pas. Hein. Remplissez les eaux des mers. Multipliez sur la terre. Ouais, non, d'accord. Ainsi, il y eut. Ouais. Okay, bah écoute, ah non, j'ai trompé. Oula. Alors, je vais te mettre au gars, mais. Oh, je. Je sais où le mettre, c'est bien. Ouais, ouais. Megan, du coup, tu vas me passer ton cure, je te le réparerai. Oh, je me suis perdu. Désolé, William. C'est quoi cette histoire du cure? Alors, reprends le début, j'ai. Je suis un peu fatigué. Il a eu des complications de la balle qui s'est. Je reviens, William. Faut que je prenne l'air un peu. Il s'est pris une balle? Apparemment. Oui, il s'est pris une balle, apparemment, il y a eu des... Merde, il j'allais écrire clap clap clap, ouais, mais... Il est encore tout endormi. Ça vous embête si on reste ici, au moins pour la nuit? Comme j'ai dit à votre collègue Jay, on vous le renvoie dès qu'il est remis sur pied. Donc que ce soit dans une nuit, deux, voire un mois, s'il reste comateux, eh bien écoute, il restera ici. Est-ce que ça vous embête si... D'accord, est-ce que ça vous embête si je reste avec lui un peu là pour le veiller, parce que bon... Non, non, ça n'embête pas. Tout ce que je demanderais, c'est que tu déposes ton sac aux côtés de nos affaires, qu'on puisse éviter qu'il y ait des étrangers avec des armes qui restent à l'intérieur. Ah oui, oui, bien sûr, pas de soucis. Parfait. Merci. D'accord, je vais prendre des pancakes. Moi, je prends du poulet, s'il te plaît.
Les autres ils se font une raclette à côté quoi. Putain, je loupe le meilleur épisode du monde quoi les gars. Je loupe une raclette et il y a un concert de violon. Je vais prendre l'air. Et il y a Gary. Restez là, hein, bougez pas. Ouais, t'as raison, je bouge pas, ouais. Vas-y, file, je bouge pas, gros. Non, pardon, Rachel. Ouais, je faut que je prenne l'air un peu, désolé. Je vous en prie, allez-y. Ah, merci. Pardon ? T'arriverais pas à me l'enlever ? Attends, laisse-moi voir ça. Je sais pas si j'en suis capable. Oui, oui, ah bah là, si on n'a pas compris l'appartenance de Rachel, hein. Non, mais c'est qu'il y a un gros trou en même temps, c'est logique. Je sais pas vraiment quoi dire, à vrai dire, j'ai pas été une bonne élève au cours de KT. Ouais, non, mais Megan, par contre, il y a un gros trou, donc ouais, non, le cuir, c'est logique. Hein. Attends, je te le remets. Un petit massage, ma fille. Tac. J'ai mal au dos et à l'œil, là. Je sais pas si c'est du travail. J'espère vraiment que vous en sortirez quand même, Mais Jessie m'a dit que ça se passerait bien. Okay, ah bah oui. Si c'est ce que tu veux. Vu le boulot, là. Voilà. Et j'ai aussi mon pantalon et l'autre. Ouais, bon, après, par contre, attends un petit peu. Hein. Ah, Gary. C'est un peu perturbant de voir un homme d'une telle ampleur. Un peu dans cet état, je dois l'admettre. Je sais pas. Oh là là, comment elle me brosse dans le sens du poil. Mais il entend rien. Okay. Il entend rien, il est dans le coma. Certains d'entre nous représentent un symbole et j'ai la sensation quelque part. Blablabla. Que vous en êtes un. Blablabla. Il est dans le coma, il entend pas. Inconscient, tout ça. Megan, il est là. Tu n'enlèveras pas les dessins de Dieu, Rachel, les dessins de Dieu. Je vais aller chercher une couverture. Ouais, une couverture, ouais, c'est ça. J'en ai déjà une d'ailleurs. J'en ai déjà une, Rachel. J'ai déjà une couverture. Vite, avant qu'elle arrive à marcher à côté. William a déjà une couverture. Mais une seconde couverture de cœur n'est pas de refus. J'ai trois sauts, je vais les mettre en mouvement pour récupérer. Tenez, une en plus. Tu fais déjà beaucoup pour lui. Ça vous fera pas de mal. Oui, et puis... Voilà. Jay viendra me relayer. T'es gros avec des mots. Ah bah ça va alors. On fera ce qu'il faut. Ouais, c'est ça ta couverture. On dirait un truc pour pas faire pipi. Mais c'est pas Papy Glou, hein. Vraiment. Mais bon, si il meurt. Je fais pas pipi au lit, moi. Je vais partir, pasteur. J'ai des choses à faire et je pourrais pas rester. Non, mais de toute façon, on se voit jeudi. Les méga vont rester là et ils vont s'occuper de vous. Pas de soucis. Mais je vous en. Je veux vous rassurer là-dessus, ça va aller. Je vais faire ce qu'il faut, essayer de trouver d'autres médocs et j'espère que ça ira. Mais ça ira. On se revoit jeudi, Madame Lingerban. Oh, c'est beau, c'est beau tout ça. J'avais un truc pour vous et je me sens un peu bête de pas vous le faire écouter, mais vous êtes déjà dans un état... Enfin... Sachez que je viens de l'apprendre, mais des personnes que Bull a récupéré un enregistrement, il y en a un pour vous. Oh, j'espère qu'il aura l'occasion de vous le faire écouter. Oh, c'est pour toi, c'est pour le mauvais oeil. Motor Club. Oh, il y a un enregistrement pour William, les gars. Ouais. Je vais retourner auprès de lui. Et quelqu'un de sa famille qui est vivant. J'espère que... Plus lui qui est important que moi, là. J'espère que ça ira. Je crois que tu es encore plus important à ses yeux. Et que vous pourrez écouter cet audio, mais je pense qu'avant de l'écouter, Minecraft. Donc que vous repreniez des forces. Faut qu'il s'en sorte. Prends soin de toi. Ou alors, peut-être que je devrais vous le faire écouter maintenant. Prends bien soin de toi. Et ça vous redonnerait des forces, je sais pas trop quoi faire. Prends soin de lui. Oui. Je sais même pas si vous m'entendez, j'ai l'impression d'être un petit peu ridicule là-dessus, mais... Je sais pas trop quoi faire. Si tu m'entends, Lydie, à la limite, fais-le écouter à Gary. Est-ce que... Et il me le fera écouter la prochaine fois. Je pense que ce serait pas mal de le faire, même si vous pouvez pas tout à fait entendre. Eh bah vas-y, let's go. Vas-y, et balance avec Gary à côté, comme ça... Il le fera écouter, mais j'ai pas la sensation que ça peut vous aider et que ça peut... Vas-y, go. Balance-le, Lydie, avec Gary à côté, tu l'invites à écouter ça et... Ah, Gary ? Oui. Ton guerrier amoureux, là, ton amour de jeunesse. Non, est-ce que vous pouvez juste demander de l'autre côté s'ils peuvent faire un tout petit peu moins de bruit ? Je vais essayer quelque chose.
J'espère que ça va pas. Oui. Elle veut communiquer avec les. Elle veut communiquer avec les comateux. Les choses de faire un peu moins fort. Donc non les amis, c'était un éclat de balle pour info, enfin un éclat de balle. William avait pris un éclat de balle dans la gueule à Louisville et il y a un truc qui restait quoi. Ça c'est sûr. C'est bon, on t'écoute papy. Tu peux dire ce que tu veux. Merci bien. Derrière prière. Pour mon fils. J'essaie dans le doute, j'étais très bien. Toi qui as su créer le mur de sa mère. Je trouve la cassette peut-être. En toi, les meilleurs conseils de père. Mon amour, Jésus, Verbe éternel, nourris l'espoir. Nourris l'espoir pour que la vie de mon fils soit belle. À chaque instant, tu me suis, tu me gardes. Quand je t'appelle, jamais tu ne tardes. Et si parfois tu sembles te cacher, c'est toi qui viens m'aider à te chercher. C'est à toi seul, Jésus, que je m'attache. C'est en tes bras que j'accours et me cache. Je veux t'aimer. Mais comme un enfant, je veux lutter comme un guerrier vaillant. Comme un enfant plein de délicatesse, je veux, Seigneur, respecter mes promesses. Et dans le champ de ma croyance en toi, comme un guerrier, je m'élance au combat. Ton cœur qui garde et qui me rend l'innocence ne saurait pas tromper ma confiance en toi, Seigneur. Repose mon espoir. Après l'exil au ciel, j'irai te voir. Lorsque en mon cœur s'élève la tempête, vers toi, Jésus, je relève la tête. En ton regard miséricordieux, je lis, enfant, pour toi, j'ai fait les cieux. Je le sais. Bien, mes soupirs et mes larmes sont devant toi, tout rayonnant de charme. Protège mon fils qui ne sait où il court. Protège. Que sa voix soit velours. Tu veux mon cœur, Jésus, je te le donne. Tous mes désirs, je te les abandonne. Et ce que j'aime, en échange d'honneur à toi, je ne veux plus que leur sécurité dans leur combat. Mes seules paix et seuls bonheurs, c'est de ressentir mon fils battre son cœur. C'est de retrouver la mort auprès de toi, Seigneur. Oh, toi qui suis créé le cœur de sa mère, je trouve en toi les meilleurs conseils de père. Amen. Amen. Je te la donne, tu l'as lu. Sondage. Tu seras réveillé. Ouais, bien sûr. Merci. Je sais pas si ça pourra l'aider, mais j'espère. Oui, si, je pense que ça. Ça va l'aider. J'y crois.
Merci, Rachel. Je vous en prie. Installez-vous sur le lit à côté et puis prenez un peu de repos. Non, merci. C'est bien aimable. C'est bien aimable. Je vous apporterai le petit déjeuner. Allez, à plus tard. Merci beaucoup. À plus tard. Vous avez entendu, vous. Putain, il se fait apporter le petit déj en plus. Tout n'est pas perdu, voyez. Oui. Il va falloir un peu de repos. J'imagine que Dieu est avec lui, beaucoup plus qu'il ne l'est avec nous, parfois. Une bonne nuit de sommeil. Oh là là, et ils viennent tous... C'est même personne qui le mérite, ce vieux salopard. Ils s'attendrissent tous, là, c'est incroyable. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis navré, je crois que j'ai besoin d'un peu de repos. Veuillez m'excuser. Pardon. Repose-toi bien. Merci. Oh putain. Mordecai, je vais prendre une place dans le camping-car. J'ai intérêt à faire tromper le dicton. Hein. Je sais bien, Alex, j'ai fait exprès. Messieurs, dames, Alex Diou dans le chat actuellement, le docteur qui a charcuté notre père William. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, je vous ai déjà fait un tout à l'heure. Côté, là. Voilà. Je pense que je serai la première en écoute, pour d'autres charcutages encore plus sanguinolents et purulents, c'est par là. On reprendra la lecture demain. Hein. Mon père, il me disait toujours que être une sous-merde, c'était bien. Parce qu'il n'y avait que comme ça que Dieu... Ah, on n'est pas le même niveau, là. Que Dieu pouvait nous pardonner. Le biker, quand il s'y met, c'est pas les mêmes termes. Un privilège énorme. C'est des conneries, évidemment, ce qu'il raconte. Mais... le pasteur va forcément s'en sortir. Si nous, on finit en enfer... Disons que pour ce soir, j'ai... S'il meurt, il ira au paradis, c'est sûr. Alors je m'en fais pas, même si on a besoin de lui ici. Mais pourquoi pas un autre soir ? Si le paradis existe encore. Et franchement, je m'attendais pas. Parce que je ne touche plus au clavier et à la souris. Hein. Je m'attendais pas à une scène pareille. J'espère que tout le monde kiffe. J'espère que c'est pas trop lourd pour vous, le chat. J'espère que c'est pas trop lourd pour les gens qui jouent. J'espère que c'est pas trop lourd pour Gary. J'espère que vous avez tous kiffé. Je m'attendais pas à un truc qui prenne. Une heure. Je m'attendais pas à ce que tout le monde fasse un mot là-dessus. Et improvise un truc là-dessus. Dans sa cave. Non, mais je fais un mec blessé qui se vidait de son sang. Je l'ai fait 2-3 fois. D'accord. Et est-ce que tu vois un pasteur le faire ? Je vois un homme qui a des responsabilités entre les mains. Abréger les souffrances d'un homme, c'est parfois pas plus mal, Arthur. Ouais, enfin il nous avait un peu tiré dessus, mais bon. Écoute. Ces choses-là arrivent dans ce monde. Faut accepter ça. Là, à l'heure actuelle, personne ne se tire dessus. Profitons-en. Quand ça recommencera, on en rediscutera. Ouais. Si on n'est pas mort. En attendant, profitons de ce qu'on a. Ouais, vivons jour le jour. Buvons et dansons toute la nuit et on en reparle quand les coups de feu commenceront à tirer. Et battons-nous pour garder ça en tête.